Vous écoutez RTL. Vous êtes poussé à faire vite, pourquoi? Parce que vous vous dites en permanence, si ma fille est en danger et qu'elle appelle au secours, il faut lui apporter le secours. Donc on ne peut pas s'arrêter. Il faut se battre, continuer à se battre de façon, si elle est vivante et si elle appelle au secours, il faut se dépêcher. Bonsoir, 11 000 jours et 11 000 nuits que Annie Audois attend qu'on lui dise ce qui est arrivé à sa fille Marie-Hélène. 30 années se sont écoulées sans qu'aucune de ces journées ne soit occupée par le souvenir du 21 mai 1991. Ce jour-là, Marie-Hélène Audois, 22 ans, représentante en pharmacie, se volatilisait au volant de sa voiture entre Monaco, l'arrière-pays niçois et la route des Alpes. Pas une trace, rien ne sera retrouvé, ni la voiture, ni la jeune femme, comme si ce territoire, traversant les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, s'était métamorphosé en une espèce de triangle des Bermudes. La piste criminelle va être immédiatement privilégiée, se concentrant notamment sur un riche promoteur, soupçonné d'enlèvement et d'abus sexuels, puis sur le compagnon de la disparue, investigations tardives qui n'ont pas porté leurs fruits. Aujourd'hui, le dossier Marie-Hélène Audois est officiellement clos par la justice, même si, malgré le temps écoulé, tout nouveau témoignage pourrait relancer l'affaire. Qui en voulait à Marie-Hélène au point de l'effacer en quelques heures du paysage de la Côte d'Azur? L'enquête a-t-elle épuisé toutes les pistes? Des témoins gardent-ils encore le silence? Question que nous allons poser ce soir à nos invités. Nous aurons également en ligne Annie Audois, la maman de Marie-Hélène. Ce mardi 21 mai 1991 au matin, le temps est au beau fixe sur la Côte d'Azur. Marie-Hélène Audois, 22 ans, s'affaire dans l'appartement qu'elle occupe avec son compagnon Steven, un 4 pièces lumineux, résidence du Lido à Cagnes-sur-Mer. La jeune femme, une brune aux yeux verts, vêtue ce jour-là d'une veste noire et d'une jupe culotte noire, boucle sa valise. Elle est représentante en produits pharmaceutiques et s'apprête à faire une longue route. Une tournée des officines qui doit la conduire jusqu'à Monaco, puis Digne-les-Bains, puis Briançon dans les Hautes-Alpes, où elle a prévu de passer la nuit. Marie-Hélène prend ses affaires et sa mallette, dans laquelle se trouvent ses documents professionnels. Elle rejoint sa voiture, un véhicule de type Renault Super 5, couleur blanche. Elle quitte Cagnes-sur-Mer vers 10h20. Une quarantaine de minutes plus tard, elle est à Monaco. Aux alentours de 11h30, elle visite une première pharmacie, un client qu'elle connaît bien. Elle signe un bon de vente. La représentante a ensuite rendez-vous avec un grossiste de la principauté pour lui passer une commande. Vers 14h, elle est de retour à la première pharmacie. Elle discute avec la préparatrice. Elle semble pressée, indique qu'elle n'a pas eu le temps de déjeuner et qu'elle a beaucoup de route à faire. Elle n'attend donc pas le pharmacien et lui laisse un petit mot. « Je repasse la semaine prochaine. Bisous. » Marie-Hélène. La jeune femme ne repassera pas. C'est la dernière fois qu'un témoin l'aperçoit. Elle reprend le volant et va disparaître. Mercredi 22 mai, lendemain de la disparition, Steven, le compagnon de Marie-Hélène, prévient les parents de la jeune femme qui habite au Cap d'Antibes que son employeur a téléphoné. Marie-Hélène ne l'a pas appelé alors qu'elle le fait toujours lors de ses missions. Il dit n'avoir aucune nouvelle. L'employeur rappelle le lendemain, il insiste. Les parents de la représentante en pharmacie, Jacques et Annie Audois, commencent à s'inquiéter. Il n'est pas dans les habitudes de leur fille aînée de garder ainsi le silence. À l'époque, pas de téléphone portable, impossible de la contacter facilement et rapidement. Le couple, qui a deux autres enfants, une fille, Muriel, et un garçon, Jean-Baptiste, est impuissant. Jacques et Annie Audois ne peuvent s'empêcher de penser à un problème, un accident de la route par exemple, mais rien de tel n'est signalé. Après un week-end sans aucune nouvelle, les parents signalent la disparition au commissariat d'Antibes et à celui de Cagnes-sur-Mer. Marie-Hélène Audois est majeure. Une simple procédure de recherche dans l'intérêt des familles est alors déclenchée. Bonsoir Annie Audois. Bonsoir Jean-Alphonse. Vous êtes la maman, évidemment, de Marie-Hélène, qui vient alors de disparaître. Merci beaucoup, Annie Audois, d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. À ce moment-là de l'affaire, on ne sait pas où, et d'ailleurs, on ne sait pas grand-chose de cette disparition. Je suppose, Annie Audois, que vous n'avez rien oublié de cette journée. Vous vous souvenez parfaitement de ce jour-là. Mais ce 21 mai, c'était un beau jour de printemps ensoleillé. Et nous avions, avec mon mari, vécu cette journée
d'une manière ordinaire. Pour nous, tout allait bien. On ne pouvait pas envisager qu'un tel drame se pouvait se nouer pour Marie-Hélène. Alors, Annie Audois, parlez-nous de votre fille. Qui est Marie-Hélène ? C'était une très belle jeune femme. Elle avait la joie de vivre. Elle a été un rayon de soleil dans notre famille. Et elle avait beaucoup d'amis. Elle était très, très appréciée, très, très communicante. Elle avait des amis partout. Elle leur téléphonait sur même quelques bêtises qu'elle pouvait faire. Elle appelait ses amis en Angleterre pour leur raconter. Elle connaissait énormément de monde, comme mon mari et comme son grand-père aussi, qui avait cette faculté d'être des communicants. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était représentante en pharmacie, parce qu'elle savait bien approcher tout le monde. Alors, Annie Audois, vous nous décrivez vraiment une jeune femme très indépendante. C'est vrai que, sur le moment, pas vraiment de raison de s'inquiéter. Quel est votre sentiment lorsque, finalement, vous n'avez plus de nouvelles de votre fille ? Moi, j'arrivais pas à croire qu'il avait pu arriver quelque chose de grave à Marie-Hélène. Parce que s'il y avait eu un accident, on aurait été informé, normalement. Qu'on ait pu lui faire du mal, je ne l'ai même pas envisagé au départ. Je l'ai même pas envisagé. Damien Dalceni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Parisien, on est en partenariat ce soir avec votre journal Le Parisien. Vous avez beaucoup enquêté sur cette histoire de Marie-Hélène Audois. On vient d'entendre sa maman, Annie. Avec son mari, évidemment, il n'imagine pas l'inimaginable, si je puis dire. Déjà, une disparition en plein jour, sur la Côte d'Azur, dans un endroit où il y a beaucoup de monde, c'est quand même assez rare. Disparition d'une personne, et puis une disparition d'une personne plus une voiture. Exactement. C'est-à-dire que là, c'est ce qui rend le mystère encore plus épais, et 30 ans après, on n'a ni retrouvé Marie-Hélène, ni sa voiture. La R5 commerciale avec laquelle elle se déplaçait n'a jamais été retrouvée à ce jour. Donc effectivement, ça pose beaucoup de questions, parce que faire disparaître une personne, c'est une chose, la faire disparaître avec son véhicule, ça commence à en être une autre. Donc oui, ça rend les choses complexes et mystérieuses dès le départ, en fait. Elle semble un petit peu pressée, d'après ce que dit la préparatrice en pharmacie, Marie-Hélène. Hein. Elle a envie de partir vite, mais c'est vrai qu'elle a du boulot, elle a plein de routes à faire, c'est pas tout à fait normal. Elle a de la route à faire, on est en début d'après-midi, elle sait qu'elle doit gagner Briançon, alors la route est un peu, c'est la route Napoléon, c'est une route qui est un peu sinueuse, c'est pas une autoroute, donc il faut un peu de temps, donc je pense qu'elle se dit qu'elle peut pas traîner tellement à Monaco. Après, on en parlera peut-être après, mais effectivement, la dernière trace de vie de Marie-Hélène, elle est à Monaco, mais il y a quand même un témoignage dans ce dossier qui tendrait à démontrer qu'elle a peut-être pu repasser par son domicile de Cagnes-sur-Mer. On va le voir, Damien, dans le chapitre suivant, effectivement. Mais encore un petit mot. Il n'y a pas vraiment de recherche. C'est une adulte, si je puis dire. C'est le drame des disparitions de majeurs. C'est-à-dire que quand les parents signalent la disparition au commissariat, elle a 22 ans. Les policiers estiment qu'à 22 ans, on est plus peut-être dans le cadre d'une fugue amoureuse, quelque chose. Voilà, on verra aussi qu'elle a des petits problèmes de couple à ce moment-là. Donc on part plutôt là-dessus. Et effectivement, il faudra une bonne dizaine de jours pour que la justice se dise que ça a quand même beaucoup plus l'air d'une disparition inquiétante et criminelle qu'une vraie disparition volontaire. Les parents de Marie-Hélène vont ratisser inlassablement la région dans l'espoir de retrouver une trace de leur fille. Mais rien ne surgit, aucun signe de la jeune femme et de sa voiture. Rien à voir avec un accident ou une disparition volontaire, cette affaire-là est criminelle. Les parents de Marie-Hélène, rongés par l'incompréhension et l'inquiétude, n'ont pas attendu les recherches officielles pour se mobiliser. Ils ont été effectivement les premiers à refaire le trajet que devait emprunter leur fille entre Cagnes-sur-Mer, Monaco et Briançon. Jacques Audois, avec des amis militaires, va scruter les bas-côtés de cette route sur 200 km, examinant les fossés et les ravins. Avec des amis, le couple Audois loue 3 hélicoptères pour survoler cette région sauvage que traverse la route Napoléon. Au fil des semaines, des mois et des années, les plans d'eau vont être examinés. Le canal de la Durance sera sondé à l'aide d'un sonar. En janvier 1998, le lac artificiel de Castillon, en aval du village de Saint-André-les-Alpes, sera exploré au pied d'un tunnel dans l'espoir de voir surgir le véhicule de la disparue. Mais
aucune Super 5 blanche dans le coin. Un avis de recherche est placardé dans les magasins, les bureaux de tabac, les mairies de la région, en formant le vœu que quelqu'un reconnaisse le visage de Marie-Hélène, mais personne alors ne semble l'avoir aperçu, pas plus que sa petite voiture immatriculée dans les Hauts-de-Seine. Moins d'un mois après la disparition, le 13 juin 1991, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte à Grasse, confiée à la juge d'instruction Catherine Rabhi. C'est la police judiciaire de Nice qui est saisie, des enquêteurs qui continuent à superviser des campagnes de fouilles, mais partent surtout à la charge de témoignages. Un premier récit sème alors le trouble, celui d'un gérant d'une sandwicherie de Cagnes-sur-Mer qui certifie avoir servi le mardi 21 mai, jour de la disparition, en début d'après-midi, Marie-Hélène Audoye en compagnie d'une jeune femme blonde. Il est formel, Marie-Hélène, qu'il ne connaissait pas, lui a même dit qu'elle habitait tout près, à la résidence du Lido. Témoignage pris au sérieux et capital, puisqu'il change tout. Il signifierait que la disparue est repassée chez elle alors qu'elle aurait dû prendre la route des Hautes-Alpes. Les enquêteurs rencontrent dans la foulée Steven, le compagnon, et perquisitionnent l'appartement. Deux détails les intriguent, une feuille de papier avec les mensurations de Marie-Hélène et dans la chambre à coucher, les photos d'une jeune femme, un mannequin suédois prénommé Gunella. Steven est entendu, il explique que Gunella est sa dernière conquête, ce qui a occasionné une dispute au sein de son couple le week-end précédant la disparition. Mais ensuite, tout est rentré dans l'ordre, assure-t-il. Le compagnon ressort libre de cette audition. Les policiers savent que le 21 mai au matin, Marie-Hélène a fait le plein de sa voiture à 8h46, a passé ensuite un long coup de fil de chez elle à 9h51 à sa copine Géraldine. Steven donne lui un autre timing. Il affirme avoir accompagné Marie-Hélène jusqu'à la voiture aux alentours de 9h15-9h30. Annie Audoye, la maman de Marie-Hélène et qui est ce soir l'une de nos invitées dans l'heure du crime, avec votre mari, Annie Audoye, c'est vous qui lancez ces recherches? La première des démarches de mon mari et avec des amis de la côte, ça a été de faire les parkings de la Côte d'Azur. Parce qu'il y avait une autre jeune fille qui avait disparu, qui s'appelait Christelle, et on avait trouvé sa voiture dans un parking de Nice. Donc ils ont commencé par faire tous les parkings. Mmh. Après, mon mari est montagnard et il a des amis qui sont d'anciens sportifs ou militaires, d'anciens parachutistes. Donc ils descendaient dans les ravins. Et puis on a pensé à l'agression sur la route. Donc moi j'avais acheté un sonar pour sonder le canal de la Durance en cas qu'on ait caché sa voiture dans le canal. Et puis j'ai loué un hélicoptère pour faire toute la montagne parce que une voiture, c'est beaucoup plus repérable qu'un simple corps humain. Oui, tout à fait. On la voit effectivement de loin, une voiture, même dans cette région qui est assez sauvage. Bonsoir Léopold Doll. Oui, bonsoir. Vous êtes ancien capitaine de gendarmerie à la section de recherche de Marseille. Merci beaucoup d'être ce soir avec nous dans l'heure du crime. Alors, évidemment, à ce stade de l'enquête, la gendarmerie n'est pas saisie. Elle va l'être un peu plus tard et on en reparlera avec vous. En quelques mots, capitaine Doll, d'ores et déjà, cette région, c'est une région qui est vaste, qui est sauvage. C'est facile de s'y cacher, d'y disparaître, finalement. Oui, tout à fait, mais... Tout d'abord, je voudrais, si vous le permettez, rendre hommage à la maman de Marie-Hélène, laquelle se bat avec force au quotidien depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, son mari n'est plus là. Elle se continue avec détermination à se battre seule. Et je souhaiterais que cette émission puisse apporter un élément positif. Et elle est faite pour ça, cette émission. Et je vous en remercie. Elle est faite pour ça. Dites-nous en quelques mots, simplement juste planter le décor. Je parlais d'une région qui n'est pas hostile, mais qui est une région sauvage. Oui, très sauvage entre la région, l'arrière-pays d'Issoie, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. On a une route quand même assez tortueuse, avec des précipices, des ravins. Tout a été fouillé, même le lac, vous l'avez précisé. Le Castillon. On pensait peut-être à une sortie de route. On a tout fait. Tout a été fait hors l'aspect criminel.
Tout à fait. Et à ce stade de l'enquête, en tout cas, vous avez ratissé ce coin, dans, peut-être dans ses moindres coins. Je voudrais, avec Damien Dalceni, journaliste au Parisien, qu'on en vienne à ce témoignage qui est capital, c'est-à-dire ce patron de sandwicherie, de croissanterie, avec Damien Dalceni. Il est certain, il a vu cette personne, Marie-Hélène, qui était là, à ce restaurant. Alors lui, il est formel quand il témoigne. Alors, il faut savoir qu'il témoigne très très vite après la disparition. C'est-à-dire qu'au moment où la mémoire est encore assez, assez vive, hein, c'est pas un témoignage qui arrive 10 ans après, c'est un témoignage qui est contemporain à la disparition de Marie-Hélène. Il a une description physique assez précise de la personne qu'il voit et qu'il pense être Marie-Hélène. Et en plus, il a cet échange avec elle. Elle lui explique qu'elle habite juste en face. Donc, il a ce souvenir de quelqu'un qui habite effectivement dans l'immeuble. Il n'y a pas de confusion possible. Mais effectivement, c'est un témoignage qui remet en cause le fait qu'elle ait pris la route de Briançon après avoir quitté Monaco. Donc, elle repasse chez elle. Voilà. Alors, si elle repasse chez elle, la question, c'est pourquoi ? Et pourquoi ? Évidemment, soit on l'attend, soit elle a eu un coup de fil, etc., ou soit elle est ennuyée pour quelque chose. Est-ce qu'on a identifié cette femme blonde qui aurait été avec elle ce jour-là ? Ça a été très compliqué parce que le travail n'a pas été fait sérieusement, en tout cas à ce moment-là, et qu'il y a eu plusieurs pistes qui ont été suivies, celle d'une femme de ménage qui avait l'habitude de travailler chez Marie-Hélène et chez son compagnon. Bon, y a eu des gens qui ont été identifiés, mais qui ont été identifiés tellement longtemps après cette période de 1991 que quand on les a retrouvés, ils avaient une mémoire qui était forcément un peu moins vive, et ce qu'on leur demandait, ce qu'ils avaient fait le 21 mai 91, ils n'étaient pas capables de le dire. Donc ça a malheureusement pas été exploité en temps voulu, en fait. Alors apparaît à ce stade de l'enquête, et il reviendra plus tard évidemment et on en reparlera, Steven, le petit ami, le compagnon de Marie-Hélène, Annie Audouin. Vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Steven, il connaissait votre fille depuis combien de temps? Ils se connaissaient depuis le lycée, ils se fâchaient, ils ressortaient. Donc, il lui avait demandé de venir habiter avec lui en lui disant qu'il aimait, qu'il voulait l'épouser, lui faire un bébé. Et comme toute femme amoureuse, elle y a cru. Et elle a déménagé le 1er avril officiellement. Elle a commencé à payer la moitié du loyer. Et quelques mois avant que Marie-Hélène ne disparaisse, il était venu nous voir avec son frère, Marc, parce qu'ils avaient l'intention de créer une société avec Marc, avec Marie-Hélène, et nous avions déconseillé notre fille de faire cette société parce qu'on voyait pas qu'est-ce que cette jeune fille pouvait apporter à des jeunes gens dont les parents étaient extrêmement fortunés et ils n'avaient pas besoin de ma fille pour monter cette société. Damien Dalceni, je reviens vers vous. C'est pas une relation qui est vraiment au beau fixe entre Steven et Marie-Hélène. Pourquoi elle ne serait pas finalement partie après une dispute? C'est clair qu'ils sont en pleine crise parce que toute la semaine et le week-end qui précède la disparition de Marie-Hélène, qui a lieu un mardi, ont été l'occasion de scènes de ménage et d'une rupture, en tout cas même factuelle, puisque on l'avait dit au début, Steven y retrouve sur la côte une jeune mannequin suédoise qui est venue à l'occasion du festival de Cannes qui se déroule à ce moment-là, hein, sur la croisette. Gunella, Gunella, et donc ils ont une relation, ils couchent ensemble à ce moment-là. Marie-Hélène l'apprend, donc évidemment il y a une explication. Après il y a une soirée en boîte le week-end précédent l'élection de Marie-Hélène où il y a une espèce de triangle amoureux un peu bizarre où Steven est là avec à la fois Gunella et à la fois Marie-Hélène. Marie-Hélène en profite pour flirter avec un autre garçon. Enfin, elle est dans une situation, elle en parle d'ailleurs à certaines de ses amies qu'elle voit ou auxquelles elle téléphone pendant ce week-end. Elle est dans une situation où elle se pose vraiment des questions sur l'avenir de son aventure avec Steven. Mais comme le disait sa maman tout à l'heure, leur histoire depuis 4-5 ans, elle se déroule comme ça. C'est-à-dire, c'est je t'aime, je te quitte, je t'aime, je te quitte. Les montagnes russes en permanence. Hein. La police judiciaire ne va pas en rester là. Elle va s'attacher à suivre une piste tout aussi inquiétante que prometteuse, celle d'un riche homme d'affaires qui a pignon sur rue et qui pourrait droguer des jeunes femmes afin de les abuser sexuellement. 8 mois après la disparition de Marie-Hélène Audouin, les policiers enregistrent la déposition d'une vendeuse d'une boutique de vêtements de Jean Lépin. Celle-ci a reconnu tardivement Marie-Hélène sur une photo. Elle se souvient l'avoir vue le 31 juillet 1991 au soir dans sa boutique. Elle raconte que celle-ci était avec un homme qui l'appelait Marie ou ma petite pute.
et lui a offert un ensemble rose et kaki payé avec une carte de crédit. La vendeuse était convaincue d'avoir affaire à un souteneur et à sa prostituée. La fille avait l'air droguée et portait une brûlure de cigarette sur la poitrine. Il faut attendre un an, 1993, pour que cet individu soit identifié et interpellé, un certain Claude F., homme de main qui vit de petites combines. Il nie connaître Marie-Hélène Audoy. La juge de grâce le met toutefois en examen pour séquestration et il est écroué. La carte de crédit utilisée dans la boutique mène, elle, au dénommé Daniel M. Ce promoteur immobilier, alors âgé de 52 ans, est originaire de Berne, en Suisse. Il a fait fortune dans l'import-export de voitures de luxe, d'œuvres d'art, puis la vente de maisons et d'appartements. Il est propriétaire depuis quelques mois d'un studio photo à Nice. Daniel M. fait passer des castings au Carlton, à Cannes, à de jeunes femmes en leur faisant miroiter des carrières d'actrices internationales. Il s'agit en fait le plus souvent de les convaincre de faire des photos érotiques et de tourner dans des films pornographiques. La PJ sait encore que le promoteur a fait l'objet par le passé d'une plainte pour viol et enlèvement de mineurs. Une jeune femme, une surfeuse semi-professionnelle, raconte pour sa part avoir fait la connaissance de Daniel M. dans une boîte de nuit, un établissement que fréquentait aussi Marie-Hélène. Elle se serait retrouvée chez le promoteur, la Villa Blanche à Saint-Raphaël. Elle dit avoir été droguée, abusée pendant 3 jours, avant de pouvoir s'enfuir en maillot de bain. Un médecin a constaté la prise de neuroleptiques et de stupéfiants. Le 1er juin 1994, Daniel M. est interpellé dans sa villa, placé en garde à vue. Il reconnaît avoir payé la tenue rose kaki à une fille, mais il ne s'agissait pas de Marie-Hélène. Il ne la connaissait pas. Le promoteur est toutefois mis en examen pour séquestration et écroué, puis poursuivi pour proxénétisme. Daniel M. est soupçonné d'être derrière d'autres disparitions de jeunes femmes sur la Côte d'Azur, celle de Valérie Benaïm en février 93, Valérie Mathieu, novembre 93, et à la même époque, Patricia Lemaire. Daniel M. nie toute implication dans cette disparition. Il sera libéré après 6 mois de détention. Damien Delceni, journaliste au Parisien, on s'arrête sur cette piste qui va, il faut bien le dire, très largement occuper les policiers. Il remonte donc jusqu'à ce Suisse, ce Daniel M. Là, il pense vraiment avoir la clé de l'affaire, parce que le personnage est pour le moins sulfureux. Oui, mais c'est curieux quand même comme point de départ, parce que, vous le rappeliez tout à l'heure, cette piste, elle démarre du témoignage d'une vendeuse qui intervient assez longtemps après la disparition de Marie-Hélène, en tout cas plusieurs mois, et qui, bizarrement, celui-là va être pris très très au sérieux par les policiers, mais qui en plus vont se tromper d'abord de cible, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par interpeller, et il va être mis en prison, ce fameux Claude F., qui n'a quand même pas grand-chose à voir, à part une petite reconnaissance physique avec Daniel M. Et en fait, le numéro de carte bleue qui va permettre de remonter depuis cette boutique de Juan-les-Pins jusqu'à Daniel M., il est connu par les policiers dès le premier jour. On ne sait pas trop pourquoi. Ça, c'est étonnant. Pourquoi? Alors, ils vont d'abord interpeller la mauvaise personne, qui va quand même faire, je crois, 2 mois de détention provisoire, ce qui n'est pas rien. Et après, on tombe sur ce Daniel M. Alors, Daniel M., quand les policiers entendent parler de lui dans l'affaire Marie-Hélène Audoy, ils le connaissent déjà, Daniel M., parce qu'ils travaillent déjà un petit peu sur lui et sur les rumeurs qui courent autour de réseaux de prostitution, de tournages de films pornographiques, de photos, etc. Donc effectivement, ils vont être séduits quelque part par cette piste-là, parce qu'ils se disent, Marie-Hélène Audoy, elle est jolie, elle fréquente effectivement une boîte de nuit, mais enfin comme plein de filles et plein de garçons à l'époque, une boîte de nuit notamment à Cannes, où Daniel M. Aime aussi aller pour recruter, entre guillemets, des candidates pour films, pour des photos ou pour autres. Et donc, à partir de ce lien qui existe, mais qui est quand même pas extraordinairement épais, ils vont travailler pendant des mois et des mois sur cette piste. Alors celle-là, ils vont la creuser, la surcreuser, mais pour aboutir en fait à ce qu'on n'arrive pas jamais en fait à faire le lien vraiment réel entre les activités de ce Daniel M. et la disparition de Marie-Hélène. Et est-ce qu'on a perdu, Damien Delceni, beaucoup de temps avec cette piste? Alors c'est, évidemment, 30 ans après, la réponse c'est oui, effectivement. Ouais. Après, au moment où ils suivent cette piste, on peut imaginer qu'ils la suivent de cette manière-là, parce qu'ils y croient vraiment. Mais encore une fois, ce qui est étonnant, c'est que il y avait beaucoup d'autres pistes
presque plus sérieuse qu'il fallait étudier au même moment. Et on ne sait pas pourquoi les policiers ils se sont entichés de cette piste Daniel M. Peut-être parce qu'elle revêtait aussi tout. C'était tous les fantasmes de l'époque, c'est-à-dire une fille qui disparaît, elle est jolie, forcément, elle est tombée dans un réseau de prostitution internationale. Et donc on avait ce personnage un peu sulfureux, suisse, à moitié promoteur immobilier, à moitié promoteur de spectacle, à moitié pornographe, enfin tout ce qu'on veut. Ouais. Et donc lui, forcément, alors cette villa blanche dans laquelle circulaient soi-disant des tas de filles qui avaient été enlevées, droguées dans les boîtes de nuit, avec des princes saoudiens qui venaient se servir quelque part, cette histoire-là, je pense qu'elle plaisait, elle répondait à tout un tas de fantasmes de l'époque, et donc ils l'ont suivi, mais effectivement en abandonnant du coup d'autres pistes à côté qui étaient peut-être tout aussi sérieuses que celle-là. Des pistes qu'on va suivre effectivement dans cette heure du crime, et on va revenir avec vous là-dessus, Damien Delceni. Annie Audois, vous êtes la maman de Marie-Hélène, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Je vous pose exactement la même question qu'à Damien Delceni. Est-ce qu'on a perdu beaucoup de temps avec cet individu? Bien sûr, on a perdu des années. Ça a écarté de la piste de l'entourage principal de ma fille, c'est-à-dire le concubin et les personnes jalouses qui avaient déjà agressé ma fille avant sa disparition. Capitaine Doll, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Alors encore une fois, la gendarmerie n'est pas encore formellement saisie du dossier. Mais il faut le dire, vous qui connaissez bien ce genre d'enquête, le début d'une enquête, c'est capital. C'est là que presque tout se joue très souvent. Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, mais cette piste, elle a été sérieusement exploitée par la PJ et ils ont fait là-dessus un travail remarquable, je dois dire. Hein. Ils ont vraiment fait de fond en comble cette piste, hein, c'est ça. Ils ont vraiment étudié dans les moindres recoins ce que pouvait être ce personnage et quel rôle il aurait pu jouer finalement. Je vous expliquerai après. On avait retrouvé la piste de cet homme d'affaires suisse à Rome dans un hôtel le jour de la disparition. Donc on a pu l'écarter définitivement. Ce sont les gendarmes qui ont fini par l'écarter quand vous avez pris l'enquête. Hein. Oui. Parce qu'il n'y était pour rien, c'est ça, finalement Non, je pense qu'il n'y était pour rien. Mais c'est vrai que c'était une piste quand même sérieuse à traiter. Oui. À traiter, mais après, on se rend compte, on en reparlera, que dans toutes ces affaires de disparition médiatisées, on retrouve toujours un entourage proche de la victime. Les pistes vont se multiplier dans le dossier Marie-Hélène Audois, bien souvent alimenté par des témoignages fantaisistes. Les années vont défiler sans qu'une trace de la disparue ne soit détectée. La piste du petit ami va alors ressurgir. En ce mois de juillet 1996, les gendarmes remplacent les policiers pour faire avancer le dossier Marie-Hélène Audois. La PJ n'a pas démérité, loin de là, mais la juge de grâce espère qu'un œil neuf pourrait permettre d'accélérer les investigations. Jusqu'ici, toutes les pistes possibles se sont heurtées à des impasses. Les témoignages n'ont rien donné. Les parents de la jeune femme en ont pourtant reçu plusieurs et ont toujours espéré que l'un d'eux allait les conduire à Marie-Hélène. Celle-ci aurait été vue en train de se prostituer à Lyon ou à Hambourg, aperçue dans une voiture sur le périphérique parisien, vue avec certitude par des touristes allemands sur la Costa del Sol en Espagne. Annie Audois, alertée à 14h, sautera immédiatement dans un avion pour l'Espagne pour y être à 2h du matin. La fille aperçue sur place n'était pas Marie-Hélène. Les parents offriront même une récompense de 200 000 francs à l'époque, puis 500 000 francs, le fruit d'un héritage, pour tout renseignement pouvant élucider la disparition. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille souhaitent reprendre point par point les zones d'ombre de la procédure. Ils s'intéressent ainsi de près aux compagnons de la disparue, Steven. Au fil de ses dépositions, celui-ci a livré des éléments contradictoires. S'agissant du départ de Marie-Hélène du domicile, il ne donne jamais les mêmes heures. Il admet s'être disputé avec sa compagne sans la moindre violence, alors que de la vaisselle et un cendrier auraient été cassés. Steven décrit une veste beige, alors que Marie-Hélène portait une veste noire, veste retrouvée par sa mère dans l'appartement, ce qui tend à démontrer que Marie-Hélène est bien repassée chez elle. Les messages sur le répondeur de l'appartement ont été, selon lui, effacés par erreur par un ami qui aurait occupé les lieux. Ce fameux ami dément, il va encore apparaître que Steven avait à cette époque une maîtresse, sa patronne à l'agence immobilière, jalouse de Marie-Hélène. Dans un agenda appartenant à cette femme, les enquêteurs découvriront
le nom d'un homme incarcéré pour deux meurtres. Des éléments suffisamment troublants pour entraîner l'interrogatoire de la maîtresse en 1996, puis les auditions en qualité de témoin assisté de celle-ci et de Steven. Le couple sera même confronté aux parents de Marie-Hélène en 2010. Aucune poursuite ne sera engagée à l'encontre de Steven et de sa maîtresse. Capitaine Léopold Doll, ancien capitaine de gendarmerie de la section de recherche de Marseille, là, c'est vous qui reprenez cette enquête. En quelques mots, quelle est la difficulté de reprendre comme ça un dossier qui a déjà quelques années ? Oui, mais malheureusement, les années qui se sont écoulées depuis la disparition de Marie-Hélène, hein, les années qui ont servi donc aux investigations de l'homme d'affaires suisse. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a réussi à clôturer à fermer cette piste à Rome, où on a retrouvé sa trace dans un hôtel sur les hauteurs de la capitale, et qui nous ont permis de l'écarter totalement de cette affaire. Et cette porte fermée, capitaine, finalement, il y en a une autre qui s'ouvre, c'est celle de la famille, finalement, du compagnon, enfin des proches, pas la famille, mais du proche de Marie-Hélène. Ça, c'est une piste qui vous paraît intéressante à ce moment-là? Oui, qui nous paraît très intéressante, hein, puisque, je veux dire, il y avait déjà une dispute, hein, entre les deux femmes, la maîtresse et Marie-Hélène, précédemment déjà. Donc on peut le trouver là, un mobile. Oui, la jalousie. La jalousie, surtout que cette personne avait été déjà mise en cause dans une affaire similaire. De disparition déjà ? De violence, d'élimination. Ah oui, carrément. Donc là, effectivement, le paysage s'éclaire sous un autre jour, si je puis dire. Damien Delceni, cette piste Steven, elle arrive bien tard, alors qu'on avait presque ce jeune homme sous la main dès le début. Alors elle revient bien tard parce que en réalité, dès le début du mois de juin 91, donc quelques jours après la disparition de Marie-Hélène. Évidemment, Steven, c'est un des premiers qui va être auditionné par les policiers de la PJ à l'époque. C'est une audition comme simple témoin, il n'y a pas de contrainte particulière. Mais ce qui aurait déjà dû un peu alerter les policiers, c'est qu'ils l'entendent comme ça 3-4 fois entre le mois de juin et le mois de novembre, et que les dépositions sont toujours un peu différentes, et qu'il y a factuellement des mensonges. Il y en a un très simple, c'est que quand Steven il est entendu la première fois par les policiers au mois de juin 91, il déclare qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. Or il en a, alors il était mineur certes, mais il a des antécédents judiciaires. Donc en fait on se rend compte assez vite que c'est quelqu'un, ça fait pas de lui un coupable, mais qu'en tout cas les policiers auraient dû tiquer sur un certain nombre d'éléments un peu contraire à la vérité, voire carrément mensonger, qui sont dans ses dépositions. Et puis lui, surtout, dès ses premières dépositions devant les policiers, il évoque à la fois les disputes qu'il a pu avec Marie-Hélène dans un moment très proche de sa disparition. Là-dessus, il est assez cash, il est assez clair. Il dit, on s'est disputé, les portes ont claqué, il y a eu ce cendrier qui s'est cassé. Il n'y a pas eu de violence, mais enfin, on s'est disputé. Et puis surtout, il évoque cette fameuse maîtresse, cette fameuse Evelyne, qui était son ancienne patronne, qui est beaucoup plus vieille que lui. Hein. Elle a presque l'âge d'être sa mère, et qui elle a une espèce de relation fusionnelle avec Steven. Alors Steven, lui, il s'en sert. Je vais aller droit au but. Hein. Il s'en sert en gros pour financer son train de vie, c'est-à-dire que quand il a besoin de payer son loyer, il demande à Evelyne. Oui, quand il a besoin d'acheter une BMW, il demande à Evelyne. En contrepartie, Evelyne, ce qu'elle veut, c'est avoir son jeune amant à disposition. Et Evelyne, elle est très jalouse de Marie-Hélène, évidemment, puisque c'est Marie-Hélène qui vit avec Steven. Et lui, tout ça, il s'en cache pas, il raconte aux policiers le rôle que peut avoir Evelyne, le rôle menaçant qu'elle peut avoir, puisqu'il y a eu des épisodes déjà effectivement d'intimidation. Alors Marie-Hélène a eu ses pneus de voiture crevés, elle sait pas si c'est Evelyne, mais enfin elle a un vague, plus qu'un vague soupçon sur elle. Et puis il y a une scène qui est assez proche de la disparition de Marie-Hélène, où en fait il y a une espèce de rendez-vous à la maison après une nouvelle séance d'intimidation d'Evelyne, où Steven va obliger sa maîtresse Evelyne à s'excuser devant lui auprès de Marie-Hélène. Et cette scène-là, elle est assez marquante, et surtout comme elle est très contemporaine de la disparition de Marie-Hélène. En tout cas, tout ça aurait pu, à l'époque de la disparition de Marie-Hélène, être une piste assez prioritaire et un mobile vraiment très très flagrant. La jalousie, c'est ce que dit le capitaine Doll qu'on avait en ligne il y a une seconde. Et puis il y a aussi
ce contrat, ces liens que cette femme a avec un détenu, enfin, etc. Alors on va découvrir, enfin, quand les enquêteurs vont enfin se mettre un peu sur cette piste sérieusement et vont la creuser, on va découvrir que cette Evelyne, elle a une personnalité assez surprenante, c'est-à-dire qu'elle est agente immobilière, mais elle a des liens effectivement avec des truands en Corse, elle a même un lien avec un truand qui va être abattu à Paris dans le 15e arrondissement, enfin c'est pas, elle a pas des relations, c'est pas que le bottin mondain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens un peu inquiétants dans son entourage, donc bah, tout ça fait que ça peut en tout cas être une piste intéressante, mais sauf que cette piste, encore une fois, elle est étudiée et creusée des années après, c'est-à-dire après l'épisode proxénétisme international qui va occuper les enquêteurs de la PJ pendant 3 ou 4 ans, et quand on va se remettre sur la piste de Steven et de cette maîtresse Evelyne, bah, le temps est passé, les Bien souvenirs sûr. Se sont un peu ouais. dissipés, donc c'est plus ouais. compliqué. Tout ça, c'est un petit peu évaporé. Capitaine Doll, vous confirmez cette personnalité qui a quand même de la dangerosité autour d'elle. Bien sûr, c'est une personne déterminée. Hein. Ouais. Comme on vous l'a dit, on la retrouve dans une affaire quand même criminelle à Paris. Oui. Donc ça vous a fait évidemment tiquer. Bien sûr. Et là, vous dites qu'il y a peut-être un truc à creuser. Hein. Puis on arrive dans l'environnement proche de la victime. Hein. Ouais, ouais. Et ça, c'est très intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, dans toutes les affaires de disparition, 90% des cas, c'est toujours dans un environnement proche. Tout à fait. Et vous faites bien de le signaler. Annie Audouard, on vient d'entendre Damien Delceni et puis le capitaine Doll. On parle des pistes, là. Est-ce que l'une d'elles a retenu votre attention? Quelle est votre conviction, finalement? Moi, je suis ouverte. On a essayé de réfléchir à tout ce qui a pu lui arriver. Or, rien n'est prouvé. Donc, tout a pu lui arriver. Hein, même des témoins qui ont été entendus au début de l'enquête, on n'a pas vérifié leur dire. Ah, mais vous pensez à qui, Annie Audouard? Ben, je pense à un jeune homme chez qui elle s'était déjà arrêtée, chez qui elle devait manger le 21 mai. Ce jeune homme, c'est un jeune notaire qui habitait Manosque, à qui Marie-Hélène avait refusé des faveurs sexuelles plusieurs fois. Elle voulait bien être son amie, mais elle ne voulait pas être sa petite amie. Donc ça, j'arrive pas non plus à comprendre ce travail des services de police du départ de l'enquête. Faute d'éléments probants et de l'apparition de nouveaux témoignages, l'enquête sur la disparition de Marie-Hélène Audouard va s'enliser. La justice va alors se décider à clore ce dossier qui sera donc, sauf surprise, un cold case. Au mois de mars 2002, le juge Thierry Laurent, qui avait pris la suite de Catherine Rabhi, songe une première fois à clôturer l'instruction. La famille de Marie-Hélène fait alors tout pour que les investigations et les vérifications se poursuivent. En septembre 2007, une troisième juge de grâce, Caroline Vercamer, prend la décision d'arrêter les recherches. La partie civile demande à la cour d'appel d'Aix de les prolonger. Il est dramatique de laisser une famille dans le flou, de clôturer l'enquête sans savoir ce qui est arrivé à Marie-Hélène, plaide alors maître Sophie Jonquet. Au mois de février 2013, le dossier se referme sur un non-lieu, laissant l'affaire sans réponse. Jacques Audouard, le père de la disparue, meurt de maladie en 2011. Jusqu'au bout, jusqu'aux derniers instants de sa vie, il a pensé à Marie-Hélène, pensé à la retrouver, indique son épouse Annie, qui continue, malgré la fin des recherches officielles, à attendre un signe. Si quelqu'un me disait aujourd'hui comment Marie-Hélène est morte et où elle se trouve, je serais prête à pardonner. J'ai tellement besoin de savoir où elle repose, indiquait-elle au journal Le Parisien, après la clôture de l'instruction. Seul un nouveau témoignage ou un indice matériel pourrait aujourd'hui entraîner la réouverture du dossier Marie-Hélène Audouard. Aucune chance à ce stade de la retrouver en vie. Reste à savoir ce à qui pouvait profiter la disparition de cette jeune femme qui faisait ses premiers pas dans la vie, avait envie de fonder une famille et qui n'avait pas d'ennemis déclarés au point que celui-ci souhaite sa mort. Cette question n'a toujours pas de réponse. Capitaine Doll, qui avait repris l'enquête avec la section de recherche de Marseille, est-ce qu'on peut espérer un nouveau témoignage, un nouveau bouleversement dans cette enquête? Rien n'est finalement jamais fermé. Écoutez, les investigations que nous avons faites seraient trop longues à détailler. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers elles, je suis persuadé, convaincu
que quelqu'un sait aujourd'hui, connaît la vérité obligatoirement, de par tous les témoins qu'on a entendus, de par tous les éléments positifs que nous avons eus sur la dernière piste. Hein, Bien sûr. Cette personne pourrait aujourd'hui se dévoiler. C'est un espoir que vous formez. Oui. C'est parfois en matière criminelle, vous le savez bien mieux que moi évidemment, c'est quelque chose qui arrive. Hein, que effectivement, les langues peuvent se délier même des années après. Cette personne était peut-être jeune à l'époque, mais aujourd'hui, c'est peut-être un père de famille ou une mère de famille qu'elle pense ou qu'il pense à Madame Audouin qui cherche sa fille. Bien sûr. Et ça, c'est le plus important, effectivement, de Annie Audouin qu'on a ce soir, d'ailleurs, dans l'heure du crime, et effectivement, qui recherche inlassablement sa fille depuis une trentaine d'années maintenant. Vous restez, capitaine Doll, sur la piste de la jalousie. C'est vraiment la piste qui vous mobilise, vous, hein? Ça, c'est ma conviction personnelle. Bien sûr. Votre conviction, mais qui est importante, parce que vous connaissez le dossier. Voilà, oui. Le problème, c'est comme vous l'avez souligné plusieurs fois, les investigations sont arrivées trop tard sur cette piste-là, et beaucoup d'éléments nous échappaient. Bien sûr. Mais par contre, beaucoup d'éléments nous amènent à cette piste-là, que ce soit le patron du salon de thé, qui a été un élément intéressant, son témoignage. Hein, oui, c'est ça, avec le retour effectivement de Marie-Hélène chez elle. Hein. On est persuadé qu'elle est revenue chez elle, parce que ce gars-là, moi je me rappelle, qui m'avait dit, elle était tellement belle que quand elle est sortie de l'établissement, je l'ai suivi des yeux, et quand je lui ai posé la question où elle allait, il m'a montré le chemin, et le chemin, c'était le chemin de son domicile. Oui, donc il n'y a pas de... Et puis on retrouve quand même la tenue vestimentaire du côté qu'elle portait. Il n'y a pas beaucoup de doutes là-dessus. Damien Delceni, il y a des pistes qui ont été inexplorées dans cette enquête. Inexplorées, la réalité, c'est pas ça. Explorées. Ouais, c'est qu'en fait, on a l'impression, on a le sentiment d'être passé assez souvent, finalement, tout à côté. Et qu'il a toujours manqué quelque chose, que c'était toujours pas le moment, qu'on regardait ailleurs quand il fallait regarder à un autre endroit. Et c'est ça qui est un peu rageant et qui est rageant pour nous. Mais nous, on n'est pas impliqués. Je comprends que Annie, elle est beaucoup d'amertume par rapport à tout ça parce que elle est le malheureux témoin d'une enquête qui s'est égaré, qui est revenu sur des pistes au moment où peut-être c'était trop tard et qu'il ne les a pas examinées avant. Et que finalement, une enquête qui paraît comme ça au bout de 30 années et en fait au bout d'une vingtaine d'années d'instruction, ce qui est extrêmement long, hein. Le combat de Dany, il a permis que ce dossier y vive pendant presque 20 ans, ce qui est très très rare pour une disparition. Mais que il est très épais et qu'en même temps, la vérité, elle est peut-être pas si ni complexe ni mystérieuse que ça. Bah justement, Annie Audouin, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Vous l'avez souvent dit qu'on l'a raté, cette enquête. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a raté, Annie Audouin ? Mais on a raté complètement le départ de cette enquête. On l'a raté complètement. L'entourage, c'est quand même le copain, les personnes avec qui on vit déjà. Le téléphone de ma fille et de son concubin, c'était également un élément matériel indiscutable qu'on aurait dû faire immédiatement. C'est moi qui dois demander le listing téléphonique à la juge en septembre 1991. Or, il aurait dû être fait immédiatement. Comme les débits bancaires, c'est moi qui demande le dernier chèque de ma fille le 21 mai. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à accepter une enquête, ce démarrage de l'enquête. Mmh. Et vous savez bien que dans beaucoup de dossiers, le décarence du début de l'enquête peuvent influencer tout un dossier. Oui, tout à fait. Et on comprend bien votre émotion et puis ces années d'attente, de patience qui vous ont effectivement éreinté, vous et votre mari. Est-ce que, Annie Audouin, est-ce que 30 ans après, vous avez encore l'espoir de connaître la vérité sur la disparition de votre fille ? Ben, j'ai l'espoir que, ou par hasard, on retrouve sa dépouille, que grâce au fichier ADN, et en croisant les fichiers, c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des progrès qui se fassent là-dedans pour identifier tout le monde. Et puis l'espoir que peut-être dans la conscience
de quelqu'un que j'ai gardé, que j'ai l'espoir d'avoir gardé vivant, le souvenir de Marie-Hélène dans la conscience de ceux qui savent. Et que à l'occasion de des choses, quelque chose qui les touche, un événement de leur vie, qu'ils arrivent à se délivrer de la vérité et à nous délivrer aussi. Merci beaucoup Annie Audois pour votre témoignage ce soir dans l'heure du crime et votre volonté de garder espoir malgré les années et les difficultés. Merci à Damien Delceni, au capitaine Léopold Doll d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Marie-Hélène Audois. Votre combat, Annie Audois, on ne peut qu'espérer pour vous et pour apaiser votre douleur que la vérité se fasse un jour dans ce dossier. Merci encore à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir été ce soir avec nous à partager cette heure du crime.